Ok, let's go. Ok mon coquinou, un unboxing très particulier aujourd'hui. Je rentre vite dans le vif du sujet. Est-ce que tu as reconnu ce petit logo, mon mignon? C'est le logo Pikachu. Fragment Design. Pikachu. D'ailleurs, il me semble qu'il a déjà fait une collaboration avec Pikachu. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou faux. Mais très très bonne remarque de notre ami Abdoulaye. Donc, je vais vous unboxer, si je puis dire, la Jordan 3 Retro SP, s'il vous plaît. Fragment. Pour l'instant, c'est pas encore sorti en Europe. Je sais même pas d'ailleurs si ça va sortir. À chaque fois, ils ont décalé les dates. C'était dispo sur l'appli SNS. Ça a disparu aussi vite que ça a paru, si je puis me permettre. Donc déjà, on va commencer par ce beau papier. J'allais dire un papier de soie, mais c'est pas de la soie, mais c'est tout comme. Donc on peut remarquer un très beau papier. C'est quoi, attention à pas être électrocuté comme Blanca dans Street Fighter. Et voilà, je sors la bestiole. Je vais sortir les deux pieds. Bon, déjà, je vais refaire un petit tour sur la box. Donc c'est une belle boîte. Bleu et bleu. Voilà. Bleu ciel et bleu étoilé. Et on va direct voir à quoi ça ressemble, mon petit coquin. Donc nous avons affaire à la Jordan 3 Fragment. Fragment, pour tout vous dire, c'est Hiroshi Fujiwara. Bien le bonjour. On a un livreur qui arrive. Wesh ma gueule, tranquille. Donc c'est la Jordan 3 Hiroshi Fujiwara, les amis. Hiroshi Fujiwara. Tu signes, frérot? De même. C'est un designer japonais. Sa maison s'appelle Fragment Design. Ils ont collaboré avec énormément de marques. Tout à l'heure, on a dit Pikachu, mais ils ont fait vraiment beaucoup de marques. Allez vous renseigner sur les internets. Vous tapez ça sur Google, vous allez trouver. Ils ont fait également beaucoup de collaborations avec Nike. Là, c'est la dernière, mais ils ont fait la Jordan 1 Fragment, si je dis pas de bêtises. Juste là, en incrustation, bah, y aura rien du tout parce que en ce moment, j'ai pas mon ski monteur avec moi, donc il n'y aura rien. Mais tapez ça sur internet, vous allez trouver. Il y a eu la Fragment Design, il y a eu des trainers, il y a eu des. Tout à l'heure, tu m'en as parlé, c'était quoi? Polkadot, les Dunklo. Une des premières, me semble. Sogdart, ouais, il y a eu Sogdart. La Sogdart, il y en a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ouais, les trainers. Les trainers aussi. Ouais, les trainers, j'en ai parlé. C'est ça. Il y en a, les trainers, elles avaient fini en factory, mais ça finira jamais en factory, les amis. Donc, on va commencer tout de suite par ce cuir de qualité supérieure. Extraordinaire, regardez. Ça croustille. Sous le doigt, c'est croquant, c'est fondant. C'est un cuir d'autruche. Hein. C'est un cuir d'autruche. C'est de qualité. Hein. Très, très bonne qualité. On retrouve le petit logo Fragment juste là. Après, quand on la voit on fit, comme on dit dans le Vercors, elle paraît un peu big, mais je pense que c'est dû à la superposition des deux couleurs noires ici. Donc c'est ça qui paraît un peu fat, mais la paire, elle n'est pas fat, elle est tout à fait normale. Elle est comme une Jordan 3 classique. Ça fait vraiment la diff. Alors là, c'est incroyable. Ça me rend tout chose. Ce petit logo Jordan en clear. Juste derrière, on peut retrouver le fameux logo également, Fragment Design. Franchement, c'est incroyable. Et voilà. Juste à noter que là-dessus, on n'a pas le traditionnel elephant print. Exactement, ouais. Tout à fait. Donc voilà, après, on retrouve également le petit Fragment ici. Voilà. Et voilà, c'est une très très jolie paire. J'espère qu'elle va arriver en Europe. Moi, je kiffe à fond les ballons. Dans les hits Jordan 3, on avait eu le dernier en date, je pense que c'était la Jordan 3 Séoul, estampillée du drapeau sur la languette, il me semble. Et on n'en avait pas eu des masses, il y a eu la Jordan 3 DB, il me semble. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais là, franchement, ça fait partie, je pense, des paires qui vont devenir des gros hits. Après, on se disait aussi, on se posait la question en off. C'est vrai que c'est un peu jauni là sur les côtés, mais je pense qu'en fait c'est même fait exprès. C'est dans l'esprit vintage et dans l'esprit collectionneur qu'ont beaucoup les Japonais. Après, c'est une hypothèse
que je me fais à moi-même, j'ai lu ça nulle part, mais je me dis, ça se trouve, c'est même fait exprès qu'il y ait un pré-jaunissement pour donner ce côté vintage. Donc voilà les amis, c'est disponible à la boutique, Larry Deadstock. J'espère que ça sera disponible en Europe. En tout cas, je vous dis à très bientôt. À Pitch on Man Yourself.